À l'orée de ce culte, nous demandons à Dieu de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que sa parole nous touche au plus secret de nous-mêmes en mettant de la chaleur, de la paix et de la joie dans notre cœur. Que son amour emporte nos volontés parfois hésitantes. Que sa paix chasse en nous les troubles, les hésitations, les préoccupations, et que sa joie nous accompagne sur nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et aussi quand ils sont pleins de merveilles. C'est un Dieu de vie qui nous accueille et qui prend soin de ses enfants. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche d'après Pâques dans ce temple de Champel, où nous abordons une série de quatre dimanches que nous avons imaginée avec mon collègue Emmanuel Fuchs sur le thème de la présence des chrétiens dans la cité contemporaine. Et donc ces quatre cultes essayeront d'apporter quatre éclairages, selon l'Écriture bien entendu, sur cette question qui, bien sûr, est cruciale. Pour entrer dans ce culte, eh bien, je vous invite à chanter. Nous chanterons un psaume au numéro 45. C'est un psaume qui est bien connu. Certes, c'est chose belle de louer le Seigneur. Je vous invite à chanter la première, la seconde et la quatrième strophe de ce cantique. Écoutons comment Jésus-Christ a repris à son compte la loi de Dieu dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que cela. D'eux dépendent toute la loi et les prophètes. Et je vous invite à la prière avec une prière de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles,
et la force des faibles. Toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière. Écoute les appels que je lance du plus profond de ma misère. Car si tu ne m'entends pas, et si tu te détournes de moi, où puis-je aller? À qui m'adresser? Ô mon Dieu, achève d'éclairer mon esprit. Ta parole est ma joie. Plus agréable que toutes les richesses, tous les honneurs et tous les plaisirs, ne me laisse pas, Seigneur, sans la plénitude de tes dons. Ne m'abandonne pas. Je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de tes grâces. Seigneur, aie pitié de moi. Exauce mon souhait. Fais par ta miséricorde que je trouve grâce devant toi pour me faire découvrir les merveilles de ta parole. Par ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter la première strophe du numéro 405. Après le rappel de la grâce et la confession de foi, nous enchaînerons avec la troisième strophe de ce même cantique. Vas en paix, car ta foi t'a sauvé, nous dit le Christ, et je vous invite à confesser la foi chrétienne avec ce texte. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, humble, souffrante, crucifiée. Il a accepté la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il est venu pour libérer l'homme de ses idoles et il nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Nous lisons Évangile selon Jean, chapitre 1. Vous m'entendez? Ça va? Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il s'est mis à le suivre, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent « Rabbi, ce qui signifie « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là,
C'est environ la dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus, fixant son regard sur lui, Jésus dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas », ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Il va trouver Nathanaël et lui dit « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » De Nazareth, lui dit Nathanaël, « Peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et il dit à son propos, « Voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Et Jésus de répondre, « Avant même que Philippe ne t'appela, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » « Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses bien plus grandes. » Et il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et maintenant, deuxième épître aux Corinthiens. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quand à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te prions pour que tu envoies en nous ton esprit, que cet esprit pénètre nos cœurs, nos intelligences, et que nous puissions ainsi mieux absorber, intégrer ce que ta parole, à la fois si ancienne et toujours nouvelle, a à nous dire aujourd'hui. Viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons au numéro 387 les trois strophes de ce cantique. 387. Dans les belles
réfléchir à la présence des chrétiens dans la cité, c'est opérer une mise à jour. Chaque génération doit avoir à cœur d'opérer cette mise à jour, puisque les temps changent et se répètent en même temps. Et aujourd'hui, à Genève, en Suisse, en Europe de l'Ouest particulièrement, en général, nous connaissons une situation particulière, celui du passage d'un christianisme de masse à un christianisme d'adhésion. Bien sûr, le christianisme d'adhésion existait déjà lors du christianisme de masse, mais maintenant, c'est lui qui prédomine. Et ce bouleversement, qui n'est pas mince, implique de notre part une conscience différente, qui est la suivante. Désormais, l'adhésion volontaire des gens est une clé décisive pour l'avenir de nos églises, et nous avons à y prendre part en tant que chrétiens. Bien sûr, mon propos s'entend ici à vue humaine, puisque nous n'oublions pas que Dieu seul est le Seigneur de l'avenir et que lui seul peut, s'il veut, faire de ses pierres des enfants à Abraham. Nous n'avons aucune prise sur le secret de la naissance de la foi, ça n'est pas notre ressort. En revanche, nous avons une prise sur l'invitation à la foi, un peu à l'image du semeur de la parabole. Dès lors, comment l'envisager à partir du passage du début de l'évangile de Jean, dans lequel il est raconté l'appel des premiers disciples. Que cherchez-vous ? Demande Jésus à deux personnages qui le suivent avec une certaine insistance. Ils lui disent « Rabbi », c'est-à-dire « maître », « où demeures-tu ? » Arrêtons-nous déjà sur ce qualificatif de « rabbi », « maître ». Il est ici particulier. Il ne s'agit pas, comme dans beaucoup de paraboles, beaucoup d'autres pages de la Bible, du maître de quelqu'un, le maître des ouvriers, de serviteurs, d'esclaves, comme c'était courant dans l'Antiquité. Il ne s'agit pas non plus d'un maître de maison, ni même d'un maître au sens de gouvernant. Il s'agit d'un rabbi, c'est-à-dire d'un maître spirituel. Je dis ça avec précaution, mais c'est ça. Auprès duquel on apprend dans le domaine de la loi de Moïse et de l'interprétation des textes. Et il est bien intéressant de voir que Jésus, au moment d'entrer en scène, nous sommes dans le chapitre 1 de l'Évangile, porte et désigné par ce qualificatif. Et maintenant, attention, il n'est pas dit « viens et écoute ». Il est dit « viens et vois ». C'est-à-dire que le rapport du disciple au maître, il est double. D'un côté, bien sûr, c'est un rabbi. Donc, on va aller auprès de lui pour augmenter notre connaissance, notre savoir dans ce domaine. Mais en même temps, on va observer le maître, le voir. On va l'observer pour voir qui il est, pour se demander comment il vit, pour regarder quelle est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
D'emblée, se trouve posée une question centrale, celle de la personne de Jésus qui parcourt tous les évangiles. Quel est son mystère? Donc, vous voyez, le maître apprend aux disciples des notions nouvelles, il apprend aux disciples aussi comment vivre. Dans l'Antiquité, ça n'était pas rare. Les écoles de philosophie, en Grèce par exemple, dans la Grèce ancienne, on n'allait pas seulement écouter le brillant intellectuel qui développait ses théories, on allait aussi pour apprendre à vivre, peut-être plus en adéquation avec le cosmos. Et à ce propos, je rappelle que Jésus lui-même a été dans cette situation. Il a commencé lui-même par être un disciple de Jean-Baptiste. Il a fréquenté le cercle du Baptiste et, nous le voyons dans ce passage, il a recruté ses premiers disciples dans le cercle du Baptiste, ce qui a créé des tensions qui sont perceptibles à certains moments du récit. Et il faut se représenter au départ, si vous voulez, deux écoles spirituelles. Il y a d'abord celle du Baptiste et plus tard celle de Jésus, qui est issue de la première et qui prend peu à peu son autonomie. On s'interroge souvent à perte de vue sur ce qu'on appelle les années obscures de Jésus, c'est-à-dire les années de jeunesse, d'enfance, dont on ne sait rien, évidemment, et on spécule beaucoup. Il y a en tout cas une chose que l'on peut dire avec certitude et qu'on ne souligne pas assez, c'est que la piste la plus probable, c'est celle du Baptiste. C'est-à-dire que, avant d'avoir des disciples, Jésus lui-même a été le disciple d'un autre maître. Jésus n'a donc pas eu en lui, dès le commencement, je ne sais quelle préscience miraculeuse, vous savez, comme si dès le départ il avait la plénitude de ses moyens. Au contraire, il a pris conscience de sa mission d'une façon progressive, en passant par l'apprentissage auprès d'un maître. Apprentissage, fond que l'on retrouve à la base de la construction de tout être humain, nous-mêmes sommes passés par des maîtres. Il n'y a pas seulement des maîtres spirituels, mais il y a aussi des maîtres tout court qui nous enseignent des choses, et chacun peut avoir peut-être le souvenir soit d'un enseignant, d'un professeur particulier, soit peut-être d'un artisan qui a enseigné à son apprenti un métier, qui a enseigné bien plus qu'une technique et un savoir, mais une façon d'être, une façon de vivre. Et c'est cette unité-là qui nous marque profondément, c'est cette unité-là sur laquelle nous nous construisons. Donc, écartons l'image naïve d'un Jésus sachant déjà tout, puisque d'essence divine. Ça fait partie du musée des mauvaises images pieuses, va-t-on dire. Je note que ce sont d'ailleurs les futurs disciples qui désignent Jésus comme rabbi. Ce n'est pas lui qui dit « je suis le rabbi », c'est les disciples qui le désignent. Et un ancien adage des sages dit ceci: « quand les disciples sont prêts, le maître paraît ». La réponse de Jésus à leur requête « où demeures-tu ?» c'est une invitation. « Venez et voyez ». Ce sont les futurs disciples qui décident de donner suite à cette invitation. Vous voyez, la liberté de choix, elle est toujours présupposée. Ça n'est jamais une obligation. Ça n'est jamais une contrainte. Parce que sinon, ce serait un mensonge. Et le récit ajoute, lapidaire, ils allèrent, ils virent, ils demeurèrent. C'est-à-dire, après être venus, ils ont observé, ils ont constaté, ils ont testé, si vous voulez, et ils ont décidé de rester, et dans cette décision, bien sûr, là,
il y a l'adhésion dont je parlais tout à l'heure. Et à leur tour, ils vont faire la même chose. C'est ainsi que Philippe va voir Nathanaël et lui dit « Viens et vois. Viens constater par toi-même ce dont il est question. Viens l'expérimenter. » Ça nous rappelle qu'une rencontre vraie, elle se fait toujours dans la vie avec toutes les dimensions. Elle ne se passe pas seulement dans un discours abstrait, aussi convaincant soit-il. Une rencontre vraie, elle est de personne à personne, si vous voulez. Et on ne sait rien de quelqu'un tant qu'on n'a pas partagé un peu sa vie. Et la voie spirituelle, c'est une voie essentiellement pratique. Ça peut paraître bizarre de rappeler ça, parce que nous sommes dans une tradition qui porte très haut la parole, mais néanmoins, on reste, ou on devrait rester, sur le terrain pratique. Encore une fois, le maître ne se contente pas d'enseigner, mais il montre comment il vit et comment son enseignement déteint sur lui. Donc, on devrait éviter de se contenter de déclarations purement verbales, vous savez, qui sont oubliées dès qu'on entendu, ce qu'on appelle les bonnes paroles, hein, qui n'engagent à rien. Nos paroles sont vaines sans la mise en pratique de quelque chose. Et d'abord, la mise en pratique sur soi-même, dont l'épître de Jacques rappelle qu'elle fait apparaître notre visage véritable. Et c'est à cette invitation-là, celle des disciples, que nous avons particulièrement à faire, je crois, aujourd'hui. Elle suppose de notre part une chose très importante. C'est la conviction, la certitude de porter un trésor. Le danger le plus grave, ce serait que les chrétiens perdent le sentiment et la certitude de porter un trésor. La question cruciale dont dépend l'avenir de nos églises, elle est toute simple. Sommes-nous conscients d'être les porteurs d'un trésor dont le trait caractéristique est à la fois d'être profondément incarné dans cette vie, dans l'existence terrestre, ce sont les vases de terre, les vases d'argile dont parle saint Paul, et en même temps largement ouvert sur ce qui dépasse infiniment cette existence terrestre. Ce trésor, celui de l'Évangile, nous sommes les seuls à le porter, comme chrétiens j'entends, et à pouvoir l'offrir aux autres. Si bien que dans l'ambiance actuelle, il y a deux options. La première option, c'est de ne pas croire vraiment à la singularité de ce trésor, et de cultiver pour un relativisme plus ou moins généralisé, tout se vaut plus ou moins, tout est interchangeable. Et nous vivons déjà dans une société où, malheureusement, de plus en plus, tout est interchangeable, tout est remplaçable. Et bientôt, le matériel humain, comme nous disent les transhumanistes. Et il ne reste plus à ce moment-là qu'à raccrocher ce que nous sommes aux modes qui passent et qui changeront demain, à communier à la bien-pensance du jour qui sera différente le mois suivant. Tout ça pour se donner l'illusion d'exister encore un peu, mais du coup de perdre le sel de la parabole, hein, le sel qui perd sa saveur, il ne sert plus à grand-chose. Hurler avec les loups, c'est risquer de devenir inaudible et insignifiant. Ou bien, nous parions, nous optons pour la singularité chrétienne. Et en l'espèce, pour nous, en plus, réformés. C'est-à-dire, sur le génie propre du patrimoine spirituel qui est le nôtre. Patrimoine spirituel qui ne peut pas être remplacé par autre chose parce qu'il est singulier, il est unique. Et vous savez, aujourd'hui, on parle souvent
d'église confessante, d'être confessant. Et en fait, être confessant, c'est tout simple. Ça consiste à choisir d'être singulier. Quand bien même, évidemment, cette singularité peut aller ici ou là, à contre-courant des courants de pensée dominants. Du coup, alors, nous faisons confiance au trésor dont nous sommes porteurs dans ces vases d'argile. Ainsi, à ceux qui s'étonnent de notre engagement chrétien, ça m'est arrivé souvent, encore il n'y a pas longtemps, « Ah, comment peut-on être chrétien aujourd'hui ?» Bon. Plutôt que de nous justifier, ce qui est une mauvaise idée, parce qu'on se demande bien au nom de quoi il faudrait se justifier, ou pire encore, de s'excuser plus ou moins, ça arrive aussi. Hein. Je suis chrétien, mais je me soigne, vous voyez. Il faut simplement lancer l'invitation. Viens, et vois, après, on en parlera. Constate par toi-même ce dont il est question. Et à ce point, alors, se pose la question de la tradition, bien sûr. Parce que par définition, nous sommes des gens de la tradition. Pour des gens qui se réclament d'une Bible qui a été écrite il y a des millénaires et que nous relisons régulièrement et qui nourrit notre foi autour de laquelle nous organisons l'Église, il est impossible d'y échapper. Nous mettrons toujours nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés, ceux que on appelle parfois la nuée des témoins, visibles et invisibles, ou la communion des saints, hein, communion des saints qui s'entend dans l'espace, mais aussi dans la profondeur du temps. C'est d'eux que nous avons reçu le trésor. Ils nous l'ont transmis. À notre charge de le transmettre à notre tour. C'est auprès d'eux que, je prendrai une illustration, nous avons appris un certain langage. Un langage inédit, avec son vocabulaire, avec sa grammaire, avec sa syntaxe. Nous avons appris le langage du salut. Nous ne l'avons pas inventé. Et ce langage, eh bien, il nous met en relation avec la parole du maître originel, celle qui a été prononcée il y a 2000 ans, quelque part en Galilée. Si nous refusions cette évidence, on se trouverait dans une posture bien difficile à tenir. Mais est-ce qu'il faut conclure de ça que parce que nous sommes obligatoirement des gens de la tradition, nous serions coincés, enfermés dans des formes figées et condamnés à vieillir avec elles? À mon avis, non. Parce qu'appartenir à une tradition, ça ne veut pas dire rendre un culte au passé. Appartenir à une tradition, c'est transmettre la flamme d'un flambeau. Ce qui compte, ça n'est pas la cendre. Ce qui compte, c'est la braise qui couve sous la cendre. Donc, notre tradition, c'est la perpétuation, sur un mode mineur, c'est vrai, de ce moment enchanté où une poignée de privilégiés, les disciples, pouvaient demeurer avec le Christ sur les cimes de l'inspiration. Et l'enjeu, c'est d'ouvrir cela aux autres, afin que quelque chose de cette flamme qui nous éclaire puisse passer en eux s'ils le veulent. Maintenant, je dois aussi poser un avertissement. Viens et vois ne signifie pas que nous sommes le maître. En aucun cas, une église ne peut prétendre qu'elle est le maître. Il y a eu des époques, celle du christianisme de masse en particulier, où les églises exerçaient un magistère.
Et ce magistère, parfois réputé infaillible, il consistait à définir, à surveiller les articles de foi, à réprimer, et parfois en faisant punir par le bras séculier les malcroyants, avec la dernière rigueur. On pense bien sûr à l'Inquisition, mais pour être tout à fait honnête, la Genève calviniste n'a pas été en reste. Heureusement, cette époque-là est révolue depuis longtemps, même si ici et là, il traîne encore quelques bribes de mauvaise réputation qui jouent contre nous. Mais le seul maître, c'est le Christ lui-même. Et notre tâche, elle consiste à baliser le chemin qui mène à lui. Tout à l'heure, dans la première partie du culte, je vous ai invité à prier avec un texte de saint Augustin. Eh bien, le même saint Augustin, dans un traité très célèbre, le De Magistro, c'est-à-dire le à propos du maître, en latin, saint Augustin apprend aux paroissiens dont il avait la charge, parce que les pères de l'Église, les grands pères fondateurs de l'Église, n'étaient pas seulement des intellectuels, c'était des pasteurs qui s'occupaient des paroissiens dont ils avaient la charge, ils écrivaient, ils pensaient pour eux, et il leur apprend que désormais le Christ règne de l'intérieur. Le maître extérieur a disparu de la scène de l'histoire. Dans le credo, nous disons, il est monté au ciel. Voilà. Désormais, saint Augustin le place à l'intérieur du sujet, sous la forme de l'esprit. Le Christ est désormais esprit dans notre cœur, dans nos cœurs. Et le maître se tient par son esprit en chacun, et personne ne peut lui contester cette place. C'est la raison pour laquelle l'invitation sur laquelle j'ai médité ce matin, « Viens et vois », on pourrait aussi l'utiliser comme une prière. Nous pourrions nous adresser à Dieu en lui disant « Viens à ton tour et vois. Vois comment est ma vie. Viens dans mon existence. Regarde ce qu'elle est et compense par ta grâce ses défauts, ses imperfections, ses insuffisances, demeure-y par ta présence de telle sorte que je sois rendu capable d'être un ouvrier dont tu peux te servir. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens intercéder par ton esprit. Répands ta lumière sur les peuples de la terre et tout particulièrement sur ceux qui les gouvernent, alors que notre monde est en proie à de graves convulsions. Bénis tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix. Protège le pays que tu nous as donné. Conduis nos autorités dans une voie juste. Inspire les responsables de nos églises. Renouvelle notre vie à ton service, de sorte que nous soyons accordés à ce temps. Ce temps qui, comme tous les temps, a une soif infinie de ta parole et de ta grâce, même s'il ne le sait pas. Fais reposer ta grâce sur nos familles. Unis les parents et les enfants dans une même confiance en toi. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve. Console les affligés, secours les malades. Assiste de ta présence ceux qui sont dans le chaos de la guerre ou de l'exil et ceux qui sont proches de la mort. Fais sentir ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, qui sont aigris, révoltés, indifférents, oubliés. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Amen. Parmi les annonces, vous avez vu qu'il y a un papillon détaché dans le feuillet qui vous a été remis, qui donc vous parle des entretiens que je vais conduire sur le livre de l'Ecclésiaste au cours du mois de mai. Ce sera tous les mardis du mois de mai, en 4 séances. Et j'ai intitulé cette série « Le maître de lucidité » parce que vraiment, s'il y a un qualificatif qui colle bien à ce livre, c'est celui de lucidité qui est parfois extrême. On l'a vu même parfois désespérante, décourageante, voire même athée, ce qui n'est pas vrai, on le verra, mais qui est peut-être un des écrits les plus impressionnants de l'Évangile, justement sur cette question, comment vivre? Comment vivre? De quelle manière mener sa vie? Et nous verrons que l'Ecclésiaste est par beaucoup d'aspects le précurseur des existentialistes. Nous allons à présent chanter pendant votre chant. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. Et après le Notre Père, la bénédiction et le jeu d'orgue final, si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger cet instant autour d'un café qui a été disposé pour vous dans le foyer. C'est l'occasion de se rencontrer d'une manière moins formelle. Je vous invite donc à chanter au numéro 383. Nous chanterons ce cantique de reconnaissance en entier et d'avance, soyez remerciés de votre don qui permet à cette paroisse de poursuivre sa mission dans la région. Rive gauche, 383. N'oublie aucun de ses bienfaits, que tout
À l'issue de ce culte, faisons monter vers Dieu la prière que Jésus a laissée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que la lumière du Père éclaire votre chemin. Que la parole du Christ sanctifie votre vie. Et que la communion de l'Esprit-Saint fortifie votre cœur. Allez dans la paix. Amen. Thank you.